Salut les geeks et pas seulement. Donc aujourd'hui je vous présente le JJRC Elfie qui avait été mon coup de cœur à un moment. Je ne l'avais pas testé, maintenant c'est chose faite. Donc on va modérer, effectivement ça filme en HD, mais en HD de pas super qualité. Mais peut-être c'est pas l'essentiel de ce petit drone qui est plus de s'initier au drone et au pilotage via un smartphone. Donc dans la boîte on trouve un petit mode d'emploi, des hélices de rechange, une alimentation, une housse de transport pour le drone et sa batterie qui vient se loger ici et qui est assez bien, voilà, dans sa petite trappe de fonction. Alors, quelle est la taille de ce drone? Ce drone qui est censé être transportable, il fait grosso modo la taille d'un portable avec un peu plus d'épaisseur. Donc lorsque vous êtes sur le terrain, vous le dépliez de cette façon, voilà. Vous le mettez en marche, ce qui va générer un réseau wifi. Je vous parle vite fait quand même. La caméra elle s'oriente, donc vous voyez, on peut la monter, la descendre, mais le but c'est quand même de filmer en hauteur pour prendre de la hauteur. Donc ça s'oriente. L'application elle se présente ainsi. Avant toute chose, vous devez vous connecter au wifi de du drone. Donc voilà, là c'est chose faite, et une fois que vous êtes connecté au wifi, alors surtout n'oubliez pas d'enlever les datas de votre forfait 4G, sinon ça ne fonctionne pas. C'est aussi simple que ça. Voilà. J'ai mis la caméra un peu plus haut. Donc ensuite la méthode, vous appuyez sur off, vous appuyez ici pour faire apparaître ces boutons, vous le démarrez. Tout simplement demande. Et ensuite vous le faites monter. Alors un petit conseil, si par hasard il part d'un côté comme ça, style un crabe ou tout ça, vérifiez que les hélices ne tournent pas dans le vide. Alors comment on vérifie qu'une hélice ne tourne pas dans le vide? Tout simplement, on le met en route, on met son petit doigt et on regarde si elle a du jeu. Voilà, ça c'est. Bon, en vrai, il faut jamais faire ça, hein, mais je vous le montre. Voilà, donc il est extrêmement stable, extrêmement facile à piloter. Il se pilote assez bien avec le smartphone, ce qui n'est pas le cas de tous les drones que j'ai pu tester, notamment celui-là, qui n'est pas forcément hyper stable. Est-ce qu'on pourra faire des selfies de qualité? Alors là, clairement, c'est non. Est-ce qu'on pourra faire des selfies pour s'amuser? Oui, ça sera une bonne approche, ça sera une bonne initiation, je pense. Et il a quelques modes intéressants comme le mode LS qui est parfaitement adapté aux débutants. C'est un mode de pilotage facile pour débutants. Voilà, donc je vous ai fait quelques images et j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez aimé cette vidéo, vous en voulez plus ou moins, n'hésitez pas à dire j'aime, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et surtout abonnez-vous.